C'est une rencontre très intéressante, avec des questions très, très pertinentes. Et on sent un grand désir d'apprendre et de poser des questions pratiques sur comment faire, sur les expériences du passé. Donc je trouve ça très, très enrichissant aussi pour moi de voir une jeunesse dynamique et très vivante. Voilà. Ben, d'entreprendre, je leur ai dit, et je suis heureuse de le répéter, d'entreprendre le plus tôt possible, jeune, quelquefois avec un ou deux amis, et de réfléchir en termes de clients, et d'avoir les idées extrêmement claires, de ne pas faire des choses trop compliquées, de se focaliser au départ sur un pays, pas de regarder la chose à l'échelon européen, comme certains me l'ont dit, et d'aller progressivement, mais par contre de commencer tôt. Une entrepreneuse, c'est comme un entrepreneur, c'est une personne qui a envie de créer, qui a envie qui a une idée et qui va aller dans une certaine direction, qui va avoir aussi peut-être une qualité d'entraînement pour d'autres. C'est souvent un leader, une entrepreneuse ou un entrepreneur, c'est un leader, quelqu'un qui ne va pas gémir. Je dis souvent la différence entre certains employés et d'autres, c'est le fait de se mettre en victime. Et de gémir. Or, un entrepreneur, un leader, est quelqu'un qui ne se plaint pas, qui essuie des coups, mais qui va de l'avant et qui a des échecs et des succès, mais qui continue à avancer. Et c'est une magnifique expérience humaine, c'est ce que je leur ai dit à la fin de la conférence, et je les incite beaucoup à aller, parce que, en plus, c'est une réussite collective. Je crois beaucoup à la réussite du collectif par rapport... Si on veut faire une réussite purement individuelle, on devient Picasso, on devient un artiste, mais on est solitaire, mais dans une entreprise, on ne peut pas être solitaire. Je ne pense pas, sincèrement, je pense que les talents que requiert le métier d'entrepreneur, c'est des qualités exactement qui sont unisexes, disons, la persévérance, le désir de bien faire, la solidarité, l'énergie, tout ça, c'est des trucs communs. Si on peut dire, on dit généralement de manière banale, je ne sais pas si c'est vrai, que les femmes ont plus d'intuition, alors dans ce sens-là, elles auraient même un avantage sur les hommes. Mais il y a aussi des hommes très intuitifs, donc c'est parce que vous me poussez à essayer de trouver une différence, mais je ne crois pas. Je pense que dans la société que nous vivons, il est clair qu'il y a beaucoup de concepts collectifs, que ce soit des idées politiques, que ce soit qui sont morts. Vous voyez, toutes les choses qui se terminent en isme, ce sont plus forcément les grandes idées du 21e siècle. Et je crois qu'il y a certainement un retour sur l'individu, l'accomplissement. Vous voyez, il y a ces notions de bien-être. Le bien-être, c'est le bien-être de l'individu. Quand il y a beaucoup de centres de bien-être, on fait du tai chi, du yoga, on fait des massages, qui est très important pour l'individu, pour son équilibre complet. Et donc, je pense que dans cette démarche plus individuelle, mais qui peut être collective parce que l'individu va attirer avec lui d'autres individus qui vont apprécier, qui vont travailler avec, je pense que c'est tout à fait dans l'esprit du 21e siècle. Voilà.